On aurait dû prendre pour cette dernière journée, ça va être une belle journée, voilà. Bateau. Voilà, on va changer de la plage, du cadre de la plage. Moi, j'ai connu Pamplonne, il n'y avait pas rien. Enfin, il n'y avait pas une plage. On faisait du camping. Il y avait la mer, la plage, et une énorme forêt de pins. C'était des pins parasols. C'était pins parasols. Ouais, avec les lignes qui arrivaient jusqu'au fond. Et la création donc de la première plage, Tahiti. Tahiti, et c'était avant. Avant, il y en a une. Il y avait chez Jean au Pinet. Oui. C'était chez Jean au Pinet, et maintenant c'est Tabou plage. Et après Tahiti. S'est installé derrière. Tahiti, c'était une guinguette qui était derrière. Qui était en fait. Derrière. Et quand la première place est installée, Tahiti, donc Félix Palmary, s'est installé à côté et ça a créé la plage de Tahiti. En 53. En 53, exactement. Et ensuite, il y a eu le Club 55. En 55. C'est comme ça que c'est né. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait des bandes. Ouais, bien sûr. Je dis qu'un personnage, on l'aime ou on l'aime pas, on pouvait certainement lui adresser des critiques. Ça regarde chacun. Mais moi, un personnage comme Barclay, ça manque. C'était des fêtes. Des fêtes, et puis il avait le sens de l'amitié. Oui. Il recevait beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'il rassemblait beaucoup d'artistes sont venus grâce à lui. Parce qu'il avait une maison où il recevait beaucoup. Oui. Puis c'était une locomotive artistique et rigolote. Les milliardaires n'ont jamais été des locomotives. Puis en plus, ici, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent être riches. Non, c'est simplement des pauvres qui ont beaucoup d'argent. Et ça n'a strictement rien à voir.